Salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode de notre Let's Play sur Uncharted The Lost Legacy. J'espère que vous allez bien. Je tourne cette vidéo une heure après l'épisode précédent. J'ai fait une petite pause, j'ai joué avec des amis. On n'a pas Et ça sorti de m'a l'auberge. fait un petit C'est vrai, peu mais on de a un bien. avantage. Voilà, Écoute ça mon m'a permis de copain, vider un peu la tête. les trois symboles. Regardons la carte. La carte. Ok, voyons. On est juste là. Je vais le marquer au fur et à mesure. Regarde cette tour. Waouh. Je parie qu'on a une super vue de là-haut. Peut-être. Va falloir qu'on aille sur une des tours alors. Vous l'avez compris, je pense qu'il faut aller sur la tour qui est là-haut. Ok, je vais surveiller Assad. Parfait. Je m'en fais pas pour lui, t'inquiète. Tu devrais. On n'aura pas deux fois l'effet de surprise. Il devait pas attendre beaucoup de toi. Attends, c'était un compliment? Parce que ça ressemblait à un compliment. Ces hommes sont des idiots, mais Assad est... Il faut juste qu'on reste le plus loin possible de lui. Juste une seconde. Je peux attendre. Personne? On n'est pas au bon endroit. Confiance à des gens comme Assad. C'est facile. Il trouve des hommes faibles et leur offre le pouvoir. Il leur donne un but. Un but? Ça ressemble plus à des conneries pour moi. Où est-ce que tu vas? Tu grimpes avec moi? J'aimerais bien, mais... Il faut bien que quelqu'un monte la garde. Toujours plus haut. Non? Bien vu. Ah, t'es plus habitué, Nadine, je pense. Depuis ton aventure dans Uncharted 4... Hop. Chou. Hop. Alors. Tout en douceur. Tu vas bien, là-haut? Pour l'instant, ça va. Hop. Oh, ça va, la grimpette est plutôt facile. Oh, la grimpette dans Uncharted, ça va, hein, franchement. On n'a pas trop à se plaindre. Alors ça, Nathan, c'est un... Voilà, c'était très con. Mais bon. Vous connaissez maintenant, pour ceux qui sont des habitués de la chaîne. Voilà. Attends qu'il mette la main en fait. Ouais, mais... T'inquiète pas. Et hop. C'était facile. Et voici nos trois symboles. Ça a été plus rapide que ce que je pensais. Ok, la hache, on avait dit. La hache de Shiva. Voyons un peu ça. Dirigé droit vers ces ruines Oysala. C'est une voilà. Forteresse au creux de la montagne. Je vais l'indiquer sur la carte. Trident. Avec une hache. Encore une vieille forteresse. Juste au-dessus des chutes d'eau. T'as le trident. Je vais le noter avec un trident. Et tu as l'arc. Du coup. Voyons ce que cache la porte de l'arc. Et encore une vieille forteresse. En plein milieu du lac. Je noterai un arc sur la carte à cet endroit. Ah, et la carte du soleil. La dernière.
demande ce que c'est. Je note pour plus tard. Donc oui, dans l'épisode précédent, on avait rencontré les fameux méchants, hein, Asav et toute sa clique. Avant de monter, j'aurais dû vérifier s'il y avait un bouton d'appel. Effectivement, ça nous aurait évité de mourir. Pour la deuxième fois. On va peut-être avoir un quota de mort assez intéressant à la fin. Alors, ça m'a fait ultra sursauter, mais c'est pas très grave. Alors, ça valait le coup de grimper? Et comment? J'ai trouvé les trois symboles. Vraiment? Ouais, chacun était dirigé vers une forteresse différente. C'est sûrement là qu'il faut aller. Alors... Là, on va aller à celui en bas, à gauche, en premier. Comme ça, ce sera fait. Comment on peut faire confiance à des gens comme Asav? C'est facile. Ils trouvent des hommes faibles et leur offrent le pouvoir. Ils leur donnent un but. Un but? Ça ressemble plus à des conneries pour moi. À droite. Comment tu t'es retrouvé avec Asav, au fait? Un but? Je préfère ne pas en parler. Il devait sûrement avoir un faible. Voilà. Toi, n'en parle pas. On a été utile à l'époque, mais... Ouais. Allez, raconte. Attends, attention, voilà encore des hommes d'Assad. Bon, quand faut y aller. Faut aller tout là-haut, hein. Ceux qui n'auraient pas compris. Enfin bon, si tu me dis qu'il y a du monde, mais que là, je vois personne... Je me suis arrêté pour rien. Hein. Putain, en plus ça il va être ultra loin le truc. Même qu'à l'époque j'avais fait la remarque, c'était un peu bizarre. Ils disaient qu'il y avait du monde alors que c'était là. Alors. Voilà. Balle dans celui-là. Bon, j'ai potentiellement moins de chances de perdre des balles. Regarde là-haut. L'arc de Parashurama. Parashurama. Dans la tour. Alors, Parashama. Parashurama. Parashurama. Oui, c'est ça. C'était qui déjà? Ok. La sixième incarnation du dieu Vishnu, un guerrier redoutable. Ok. Pas encore vraiment tout compris. Voilà. Pas compris que c'était. Pourtant simple. C'est la sixième réincarnation de Vishnu.
Ok. Ok. On parlait de quoi déjà? Tout ce qui concerne la save et moi, je préfère le garder pour moi. Voilà. Même. Bien, on entre. C'était quoi attends. Cet endroit? On reprendra cette conversation. Tu viens? Bien reçu. Let's go. On continue à explorer des ruines, et ça j'aime dans Uncharted. C'est ce que personnellement je préfère dans les Uncharted. Le fight c'est cool, mais Je suis bien content d'être enfin sorti de ce trou. Je commençais à croire que le boss était un mytho. Fais gaffe à ce que tu dis. C'est Fraser ! Tu vas me le payer ! Bravo ! Ça y est, plus personne. On a sûrement alerté les autres. On n'y peut rien. Allez. Ouais. J'en ai mis deux têtes. Ah ! Oh non, Fraser ! Mais je comprends pas. Pourquoi ? Pourquoi me faire tuer ? Là, sur la montagne ! Voilà les autres ! Ok, on a fini. Oh. Il doit y en avoir d'autres. Il était gros le camion garé devant. Attention où tu mets les pieds. Alors. Doucement. Pas de balle. J'aimerais avoir un coup d'avance sur Asav. On n'y peut pas grand chose. Et l'important, c'est pas de savoir qui commence, mais plutôt qui finit. C'est pas faux. Suis-moi! Comment tu peux rester si calme? T'as pas entendu les coups de feu? Si. Mais tu t'inquiètes trop. Nos camarades ont été entraînés par Asav en personne. Ouais. J'ai enlevé la sécurité de mon flingue, au cas où. La mienne est jamais mise. Pardon, hein, là c'est vraiment pas de l'infiltre hein, que je fais. Hein. Attends. Merde, on est repéré. Voilà. J'avais remarqué. Explose ton point faible. Ok. Merde, un fusil à pompe. Wow. Et. Thank you.
Waouh, 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 waouh. T'es sécurisé. Je confirme. On continue. Tu m'outes les mots de la bouche. Les sauts que je fais sont vraiment pas bien. Hein. C'est rageant d'être aussi proche. Il faut qu'on ouvre cette porte. Je vais à la manivelle. Je suis débile. Hein. C'est affolant à quel point je suis débile. On était sur la manivelle il y a 3 secondes. Moi je suis le seul connard à pas comprendre que c'est ça qu'il faut aller ouvrir. Nickel. Ça devrait le faire. Je suis vraiment. Je sais pas, il y a un truc. J'aime bien ce jeu. J'espère pas autant rager sur Uncharted 1, 2, 3. 4 d'ailleurs, j'ai eu le 4. À un certain moment, New Devon c'était assez énervant. T'as réussi à traverser. Merde. Les moyens d'atteindre ce côté. Bouge ouais. Pas. Enfin, si. Enfin, fais comme tu le sens. Bien reçu. Toutes mes excuses. Tu vas bien? Ouais, ça va. Hello. Ça doit pas être par là qu'on rentre. Ça doit être par là qu'on sort, par contre. Ah, te voilà enfin. Tu t'amuses bien. Ouais. On y est presque. On peut dire que je m'amuse. C'est bon. Impressionnant. Ah, merci. T'as vu, j'ai fait tout. Allez. Le tour. J'ai fait le deuxième. J'ai fait celui-là et un Dieu autre, Dieu. Je crois. Qui l'eût cru? Je t'avais dit que c'était une clé. T'as gagné une image. À quoi ça peut servir? Ah oui. C'est quoi? Un puzzle, une salle antique? Évidemment, je fais un arc. C'est pas bon ? Ah, parce que c'était juste pas dans le bon sens. Regarde ça. Parashurama. Et maintenant ? Maintenant, on tourne le mécanisme et on voit ce qui se passe. Y a pas de danger ? Il vaut mieux pas partir à la chasse au trésor si tu veux éviter le danger. Ni être mercenaire. La différence, c'est que si je dégoupille une grenade, je sais à quoi m'attendre. Alors, c'est pas marrant. T'as entendu? T'as senti? Fraser, regarde ça. Pas croyable.
Je vois un énorme bas-relief gravé directement dans cette montagne. Et toi, qui craignais qu'on meure après avoir tourné cette manivelle? Heureusement que j'ai une fille d'archéologue avec moi. T'as dû avoir une enfance géniale, non? Il y a eu de bons moments. J'ai beaucoup appris. L'Empire Oysala, c'était son truc. Mais ça lui prenait tout son temps. Moi, si je pars chercher un trésor, il faut que ça me rapporte. Normal. Je prends jamais de gros risques sans une bonne paye. J'imagine, oui. C'est comme gérer une armée. Grosse responsabilité. Une seconde nature. C'était l'entreprise de mon père. À sa retraite, j'ai repris le flambeau. Une affaire de famille. J'ai tout fait foirer. Mais tu dois le savoir. Toi et les frères Drake, vous êtes proches. Ouais, bon. On parlera de ça plus tard. Référence à Uncharted 2. Et maintenant ? Il y a le fort avec le trident qui surplombe les chutes d'eau. Et puis aussi le fort avec la hache dans la montagne. J'aurais dû poser des questions sur les Drake avant d'accepter ce boulot. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Je connais plutôt bien Nate. Sam beaucoup moins. Il est un peu sorti de nulle part, je dois dire. Faut trouver un moyen de redescendre à la voiture. Bonne idée. Et re tout le monde. Excusez-moi, j'ai dû faire une petite coupure. Voilà, j'avais un petit truc à faire, hein, donc j'ai préféré faire une petite ellipse. Ah, c'est ouvert maintenant. Ah, magnifique. Wow. Hop. Wow. Voilà. On continue le jeu du coup. Hein. Voilà. Alors, les chutes d'eau et la montagne. Ok. Je n'ai pas mon permis. Ni mon code d'ailleurs. Eh, hey, juste pour info, Nathan Drake n'est plus de la partie. T'as plus à t'inquiéter de lui. J'avais mes doutes. Pourquoi avoir accepté mon offre ? À cheval donné, on ne regarde pas les dents. Surtout quand tout le monde veut me voir échouer. Je te comprends. Le côté positif, c'est... Il y a un côté positif ? Bon, quand les gens ne s'attendent pas à grand-chose, c'est bien plus facile de les prendre par surprise. En ce qui me concerne, ce milieu est déjà bien assez difficile comme ça. Faut profiter des moindres avantages. Hop. On va aller faire le plus proche, hein, dont je pense c'est celui des chutes. T'as toujours travaillé seul ? Presque. Wow ! T'avais quel âge quand t'as commencé ? Wow. J'étais jeune. J'ai vite appris à laisser les gens croire qu'ils obtiendraient ce qu'ils voulaient, pour que je puisse prendre le dessus. Trop subtil pour moi. J'ai toujours préféré l'approche directe. Bon, tant que ça fonctionne. J'ai pas vu qu'il y avait un petit passage. Sachez que je n'ai pas été plus loin que la deuxième tour. Donc je ne sais pas si c'est celle-là qu'on va faire maintenant. Mais sachez que j'ai fait que les deux premières tours. J'ai pas fait plus. Voilà, donc je connais pas plus le jeu. Enfin, en vrai, si, parce que j'ai déjà joué. D'accord. Enfin, j'ai déjà vu le let's play. Militaire. Quelle est la stratégie d'Assav ici ? Il a déployé ses hommes dans l'espoir de nous stopper net. C'est pas ce que j'aurais fait. Qu'est-ce que t'aurais fait à la place d'Assav ? À part me raser la barbe ? Attendre. Te laisser faire tout le sale boulot et débarquer au dernier moment pour prendre la défense. C'est sournois. Pragmatique. Ça, voilà. Désolé, j'ai un truc à vérifier. Attends, quoi ? Je peux aller plus loin ? Ok, où on en était ? Alors, comme je disais, pragmatique. Ça réduit énormément les risques. Heureusement que attends. Regarde là-bas, l'un des camions d'Assav. Ça a l'air calme ici.
Ah, c'est maniable, hein. Voilà. Ça. On pourra repartir, on pourra repartir. Eh, hey, regarde. Lâche. La hache de Shiva. J'ai vu la même chose sur la tour. Ah ouais, mais je voulais faire mon intéressant et en faisant la marche arrière, mais en fait voilà. Comme toujours, avec plaisir. Hop là. Prends le treillis. Voilà. Hey, je m'occupe de celle-là. Ok. C'est pour lui, hein ? Bien sûr, dans l'autre sens. Y a pas de quoi. Ça là contre le tigre. J'ai pas fait celui-là. Salah qui a gagné en fait. Il protégeait son gourou et tua l'animal d'un seul coup. C'est de là que vient le nom Oi Salah. Oi signifie coup dans leur langue. Ouais, je l'ai pas fait celui-là. Moi j'ai fait l'autre. Non, 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 non. Ah! Ils ont laissé leur matos d'escalade. Ça pourrait être utile. On récupère ça du coup, hein. Correction. C'est notre matos. Voilà. On a récupéré du coup un nouveau. Un petit piqué. C'était le petit piqué qu'on avait dans Uncharted 4. Hein. On avait bien plus tard, on l'avait sur l'île finale. On l'avait sur New Devon. Je vais les échanger. Il doit bien y avoir un gars ici avec des vols trop grands. Je suis plus petit que la moyenne. Vous voyez qu'on parlait de ses pieds ? Oui, mais... Espèce d'enfoiré. Attends un peu. Je les ai vus ! Là ! Tout va bien ? À part les oreilles qui sifflent, tout va bien. Bien ! C'est Dieu ça. Val. Ouais, j'aime bien moi la Penine. Penine T. Wow ! Du coup, par contre, je connais pas cet endroit. Je l'ai pas faite celle-là. Impressionnant ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Voyons ce que ça fait. La statue a bougé.
Bon, j'y comprends rien. C'est compliqué. Oh merde! La statue a encore bougé. Attention! Saloperie! Ah, intéressant. Okay, je l'ai. Wouh, c'est pas passé loin. C'est pas très compliqué. Viens. J'arrive. Nadine décède. Voilà. Panorama. Non, 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 non. Ah. Non, c'est pas vrai. Bah si, voyons, c'est vrai. Ah putain, il y en a encore une, ok, je comprenais pas. Ah donc il faut le refaire une fois. Enfin, il y en a une dans une autre pièce. Ok. Bon, ça doit être pareil. Trois statues, avec deux symboles différents maintenant. Une étoile, des anneaux. Ce sont tous l'autre est plus facile quand même. Je préfère vos descriptions. Alors. On va apprendre. C'est vraiment pas passé loin. Je crois que c'est ça. Il est passé, mais... Oh non, mais... Oh, je me disais bien qu'il y en avait encore une. Ah, jamais 203. Hein. Vous savez, tout vient toujours par toi. Ouais, donc, ok, ouais, donc ça va, en fait. Ça va. En fait, je me dis, là, ça a l'air d'être trop simple. Peut-être là. Ok, je l'ai. Je vous le dis, je l'ai. C'est pas, en fait, c'est pas dur. C'est juste que c'est beaucoup de chance. C'est pas du tout difficile. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ouais, j'aurais été là-bas. Ah! Ok. Ouais, ok, je l'ai. En fait, c'est pas assez comme d'hab. C'est. Bon, il y a un côté, faut que je fasse deux fois. Faut pas que je le.
peut prendre un raccourci entre guillemets. Bon là c'est bien, on meurt pas. Tant mieux parce que sinon ce serait compliqué. On refait. 2. 3. 4. 1. 2. 3. C'est quoi la suite? Non. 1. Faudrait déjà aller sur l'autre, ça veut dire, en face, et revenir. Le par là, ça m'a l'air chaud, ça m'a l'air un peu compliqué. On peut essayer, mais ouais. Voilà, donc ce côté-là, c'est mort. Voilà, au moins, on est filcé. Il y a un moment où il faut que je fasse deux fois à droite. T'as vu, le symbole sur les piliers et sur la hache sont les mêmes. Oui. Dommage. Bon, on l'a du coup en fait. C'est pas. En fait, je pense qu'il y a plein de chemins différents, mais. Putain, on était vraiment à ça. Hein. Je sais comment je vais l'appeler, l'énigme des statues, l'épisode 2. Je sais comment je l'appelle. Garde un œil sur les statues, les symboles. Ouais, mais ça, y a pas de problème. Il y en a un, il faut pas que je le touche. Il faut que je fasse un demi-tour. On va essayer un truc. Tac. C'est pas passé loin. Ici tout va bien. Ok, donc non, là il faut vraiment que j'aille à l'autre. Ok. Faut pas faut jamais que je fasse trop deux fois de suite le même. Garde un œil sur les statues. Ouais, mais ça j'ai capté, t'inquiète pas. Bon, désolé si ça dure un peu plus longtemps que d'habitude, juste l'énigme, mais en fait C'est vraiment pas passé loin. Genre, j'ai pas envie de vous couper en fait. Je dis, ça peut être sympa que vous ayez la soluce. Et là, je pense qu'il faut faire ça. Ça. Et voilà. Ok. Bah, c'est très cool. Franchement, j'ai bien aimé. Un peu compliqué sur la fin, mais non, c'était très très cool. Franchement, j'ai bien aimé. Sympa. Je crois que ça va être l'image d'une hache. Bien vu. L'image d'une hache. Alors, donc pareil. Hein.
d'hab, vous l'aurez compris. Tac. Le manche d'une hache. Et je suis. Ah, celui-là est un peu plus compliqué. Oh, ça va. Ça va. Rangement. Bon. Salut, Shiva. On ouvre le robinet. Oh, oh, oh. Et si c'était différent cette fois? Ça pourrait être du feu, je sais pas. Tu te fiches de moi? Alors là, complètement. Non, ça va être de l'eau encore. Ça, c'est fait. Mm-hmm. Dommage que ça soit pas du feu. Une autre chute d'eau. Ouais. Ça fait 2/3. Et Oysalas s'en donnait un mal de chien pour planquer la défense. Faut dire que la défense était le symbole de la domination Oysala. Elle représentait leur prospérité et leur puissance. Un joli trophée pour les Perses. Ouais. Mon père a toujours pensé que la défense représentait quelque chose d'encore plus grand. Attends. Ton père cherchait déjà la défense? C'était devenu une obsession. Il a passé ses jours et ses nuits à la chercher. Il a gaspillé tout notre argent dans des expéditions stériles. Je connais la chanson. Mmh. Et en fin de compte? Je sais pas. Il nous a éloignés, ma mère et moi, il disait qu'on était en danger. Et on est parti en Australie. Et me voilà aujourd'hui aux abords d'Alebidou. C'est plutôt ironique. Et le dernier fort est niché au-dessus des chutes d'eau. Celui avec le trident. Ouais, c'est celui-là que j'ai fait, moi. L'Australie. Mmh. Je comprends d'où viennent tes manières. Ouais. Fraser est pas vraiment un nom à dire non plus. C'était à ma mère. On retourne à la voiture. Super, un raccourci. Cool, on n'a pas à repasser par où on est venu. Je t'aurais fait éviter les haches. Ouais, effectivement. J'ai un peu... J'ai pas en... Waouh. Bon. J'avoue, j'ai pas envie de repasser par les haches non plus, donc... Ah oui, raccourci, très raccourci, hein, y a pas de problème. Je vais essayer de vous emmener jusque dans les endroits où il y a les chutes. Et on se laissera aux chutes. Voilà, comme ça, ça fera un bon épisode. Il y aurait eu du monde sur la route. On comprend mieux pourquoi Asaph veut la défense maintenant. Je croyais qu'il voulait juste l'argent, comme nous. Il va s'en servir pour rallier des gens à sa cause. L'utiliser contre le gouvernement. Comme toutes les autres fois. Voilà. C'est déjà arrivé? Oh oui. Depuis que le jeune roi a perdu contre les Perses. Tout le monde voulait en récupérer un morceau de ses terres. Moi qui croyais qu'on partait juste à la chasse au trésor. C'est le cas. Hey, sur la paroi de la falaise. Tu vois cette voûte? Elle a l'air intacte. Là? Tu viens? Je vais me dégourdir les jambes. Ça roule. C'est quoi cet endroit? Bien vu. C'est joli, hein? Trésor, par ici, regarde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Des singes. T'as l'air tout excité. J'aime bien les singes. Franchement, y'a pas... Ah! Ah! Voyons voir. C'est juste moi ou ça ressemble à une carte? Alors, on va pas toutes les faire parce que c'est très long. Mais si on en trouve sur le trajet, on les fera. Mais on les fera pas toutes. C'est des médaillons en fait. Ça ressemble bien à une sorte de jeton, Oysala. Voilà. C'est quoi les symboles là-haut?
Les symboles ? Il y a une fente. Juste la taille d'un jeton. Je tente ma chance. Ça remplit un emplacement sur la carte. Ouais ? Il se passera quoi si on les trouve tous ? Nous, on est là, ça veut dire. Voilà, c'est ça. Et nous, on doit aller un peu plus au sud. Bon, je vais vous emmener un peu plus au sud. Ça nous aidera à trouver la défense. Ces personnages doivent être les anciens rois Oysala. Ils étaient 11 en tout. Où est la voiture ? Ouais, je vais vous emmener jusqu'au dernier temple et on s'arrêtera là. Oh, t'es pas marrant. Quoi ? Tu chies partout sur les sièges ? Ça a l'air sûr. Ça a l'air sûr. On y va. J'aime bien, putain. Guerre, c'était tout ce que je savais faire. Wow ! Oh. C'est vrai, mais tu le faisais pour l'argent. Généralement. Et quand t'as travaillé pour un sable ? C'était uniquement alimentaire. Ça en valait pas la peine. Aïe ! Quel intérêt, alors ? Je devais me faire une réputation. Je voulais commencer avec le pire de la bande. Je pouvais qu'aller plus haut après ça. Aller sur la gauche. Aller sur la droite. C'est vraiment beau ici. Ouais. C'est ta première fois en Inde ? Ouais. Y a pas beaucoup d'avantages dans ce métier, mais les voyages en font partie. T'es allé où ? Je suis pas allé. Ouais. Enfin, comme tu veux. Eh ben, je suis pas allé aux États-Unis. Vraiment ? Ouais. Moi, je cherche des vieux trucs en général. Attention, il doit y avoir des hommes d'Assad dans le coin. C'est possible. Du coup. Je pense que de toute façon, on va. Il y a un treuil. Ah, y a pas de treuil. Regarde ça, le trident de Ganesh. J'avoue que. Bien contente d'avoir escaladé cette tour. Ganesh, le destructeur des opposants. Le portail est sécurisé ? Pas encore. Je te couvre. On attend Cobra 8. Le plus discrète possible. C'était quoi ça ? J'ai envie de me le fight. Bon, tant pis. Qu'est-ce que... On a un homme à terre ici ! On a de la compagnie ! Voilà, 50 minutes, moi, je suis en train de... Je suis en train de m'amuser, mais... Qu'est-ce que c'était ? Ouais.
Ah! Dernier, je crois. Ça va, toi ? Ça va. Je pensais à toutes les fois où ça aurait pu mieux se passer. Tu vois, moi je pense à tout ce qui aurait pu être pire. C'est une vision bien plus positive, si on veut. Okay. Je suis assez d'accord. Alors, mais du coup, on va s'arrêter, parce que sinon, voilà, 53 minutes, c'est pas mal. Donc moi, mes petits potes, je vous retrouve dans 2 jours pour la suite du Let's Play. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne si bien évidemment ça vous a plu. Hein. Si ça vous a pas plu, bah dites-le moi en commentaire aussi, parce que j'aime bien aussi, j'aimerais bien savoir aussi s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Et puis je vous dis à dans 2 jours, portez-vous bien, bye bye tout le monde.